Et bienvenue à tous sur Chaos Gaming pour ce 10e épisode de Batman Arkham Origins. Et nous sortons d'une bataille fanfaronnante, oula, avec Bane, où il a pu s'échapper. Et on a vu aussi un petit peu l'intérieur de la tête du Joker, hein, quand il s'est fait, questionner par la psy Arlene Kinzel, qui, je pense que vous savez qui elle deviendra un peu plus tard. Bon. Et nous voici ici, donc, avec Batman. Je pense que nous sommes revenus normalement à la Batcave, mais il a des hallucinations, le pauvre vieux, alors qu'il a sauvé le Joker. Totalement inutile. Ah non, on n'est pas dans la Batcave. Le criminel de la ville est passé. Maître Bruce. Le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Centrale, ici Delta 47, à l'immeuble. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier? Il est sec, hein, Bruce Wayne, quand même. Dans les fondations, même genre que celle du Royal. C'était une espèce de cinglé. Il devait peser dans les 200 kilos. Il a quand même fallu 6 flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la morgue. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrais examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. T'as raison. Parce que je suis Batman. Et puis je viens de t'écouter, Alfred. Tu m'as dit qu'il y avait la grenade collante, je la prends. Cool. J'ai plein de griffures sur mon costume. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas? Rien ne vaut la pratique, Alfred. Je dois trouver Bane. Est-ce que le mouchard répond? Pas pour l'instant, j'en ai peur. Prévenez-moi si quelque chose change. N'importe quoi. Je vous préviendrai immédiatement. C'est promis. Ça ne me plaît pas. Oh, quand je parle à Alfred, ça me fait passer des niveaux, c'est cool ça. Allez. Gants électriques, une technique de défense exécutée avec les gants électriques qui permet à Batman de contrer les attaques à la matraque électrique de l'ennemi. Allez hop. Il m'en reste plus beaucoup là. Ah oui, il me reste celui-là aussi. Monsieur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement laisser les assassins s'entretuer? Ça allégerait votre liste de choses à faire. Parce qu'ils tueraient la moitié des habitants de la ville de Gotham. Je crains que vous n'endossiez trop de responsabilités. Parce que personne d'autre ne veut se dévouer. Cette Vicky Vale a tout d'une enquiquineuse. Quelqu'un devrait peut-être faire un rapport sur elle. Alors Vicky Vale, c'est la journaliste, hein, qui était sur l'hélicoptère d'ailleurs. Lors du précédent épisode, quand l'hôtel a explosé. Ça, c'est les objectifs de...
qu'on appelle ça. L'énigma, oui, c'est ça. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, je vais me téléporter ici. Maître Bruce, non, Maître Bruce. Ah, Bruce, il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça. Vous êtes tout seul contre ces assassins. Et quoi? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri. Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère. Vous êtes dépassé par tout ça. Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins? La dope vous conduisiez à ses rencarts? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents. C'est et les peut-être prédateurs. Vrai! Non, mais... pas peut-être! C'est vrai! Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur! Voilà ce que je suis! S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève! Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront! Il est vénère, hein, Bruce Wayne. Putain, je m'en rappelais plus que c'était, qu'il était aussi trash avec lui. C'est un peu calmé après, quand même. Mais ouais, on est un petit peu trop sûr de nous, je trouve. Allez, allez, on va voir un peu ce qui se cache là. J'ai vu quelques missions secondaires. Pas débarquer dans le GCPD après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Bien. On est juste à côté, là, en plus. Ah ouais, ouais, on est juste à côté de... Non, c'est là. Là, c'est Enigma. Oh putain, il y a un sniper. J'avais pas vu. Alors tu dis que Black Mask est pas mort? Non, et que c'est pas lui qui a tué l'homme. Non, et que c'est plus lui qui contrôle son gang. Non, et qu'un nouveau gars en ville a repris son gang et a magouillé tout ça. Ouais, et que c'est le gars qui a tenté de faire sauter le poste. On va buter ouais, celui au sniper avant. Gate. Ouais, alors qui est-ce qui contrôle le gang de Black Mask? Tu la fermes jamais? Non. Voilà. Il y en a encore un autre. Pas prévu ça. Oui. C'est sûr que c'est lui. Allez. Hop. Suivant. Oh putain. Faut te réveiller, pauvre dingue. Putain, il y en a partout. Ils font chier avec leur arme à feu. Ah, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré. Non, pas d'arme à feu. Je vais
Putain, heureusement que j'avais les gants d'électro. L'électrocuteur, pardon. L'électro, c'est dans Spider-Man. Non, elle est là, la plaque. Elle est là. Voilà. Bon. Alors, nous allons essayer de retrouver Bane. Analyser les corps dans la morgue du GCPD. Je peux utiliser la grenade collante pour stopper la vapeur qui s'échappe, afin d'avancer. Je suis déjà venu ici, ça me parle. Là, je suis pas loin de l'infirmerie, je suis sûr. Alors, la grenade collante, elle est là. Voilà. Voilà, c'est ça dont je parlais la dernière fois. Oui. Est-ce que la griffe de Destro peut m'aider? Non. Ça peut m'aider par contre. Pas tomber. On va planer. Hein. Voilà. Tout simplement. C'est pas un cul-de-sac, ça? C'est bizarre. Bon. Ah, attendez. Ah là, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai compris. Bon. Tout simplement. Voilà. Et oui, parce que ça fait office de plateforme. On dirait un peu du chewing-gum glacé. C'est un peu bizarre. Excusez-moi. Égout de Burnley. C'est pareil, on est déjà venu ici. Ça me parle là-haut. C'est là-bas l'infirmerie, c'est ça? Et oui, voilà, c'est ça. Oui, on est déjà venu ici. Voilà. C'est bien, je vais explorer les contrées. Voilà. Me voici à la morgue. Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. Celui que j'ai vu lors de l'émeute dans les cellules tout à l'heure. Je dois examiner son cadavre. Ah oui, c'était vrai. Enfin, tout à l'heure. Ça date, hein. Il y a plusieurs épisodes de ça. La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Cet ordinateur doit contenir le rapport d'autopsie que je recherche. C'est quoi ce temps? Intéressant. La victime utilisait un puissant composé présentant de nombreuses similitudes avec le venin au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os, ce qui améliore la force pour une courte période. Quel que soit ce composé, il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur.
Voilà le mouchard de Bane. C'est intéressant là, tout ce qu'on vient d'apprendre. Ça veut dire qu'avec le nombre de fois où Bane utilise son venin, alors certes il décupe ses forces, mais par contre ses capacités mentales se détériorent. Et sa mémoire également. Ça, c'est très intéressant. On peut pas y aller. Il faut que je repasse par là. À toutes les unités, on nous a signalé des tirs dans le quartier de Coventry. D'après les témoins, les deux groupes armés s'affrontent sur des armes chimiques apparemment. Je demande aux agents disponibles de se rendre sur place. Des armes chimiques? Je devrais aller voir. Du coup, je me casse déjà, là. Oui, c'était rapide, hein. Ah, merde. Ah non, c'est là. Chemin là. On ramène où ça? Ben, là d'où je viens, tout simplement. Bon. Je dois filer à la position de Bane avant de reperdre la trace du signal. Alors, où aller? Ouf. Il a l'autre bout de Gotham, quoi. Ça fait chier, par contre. Alors on va plutôt faire ça en premier, là. J'ai une planque de drogue de Black Mask. De la ville. Ils ont besoin d'aide. Des copains de Black Mask. Hop là, voilà. Et c'est moi où mon armure, elle s'est... elle a augmenté de volume, là, pendant la mini-scène. Et on dégage. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il me reste? Alors là, c'est encore la place de Enigma. Donc pour l'instant, on ne peut pas. Alors on a Shiva, qui a été aussi employé. Merde. Par Black Mask Sigil Joker. Pour nous choper. Mais elle nous fait des tests. Alors, on va aller voir ce que ça donne, ça. En tout cas, Bane passe au premier plan, maintenant. Hey, par ici! Allez, au secours! Est-ce
Ah oui, parce que c'est vrai qu'elle nous avait dit qu'il y avait... qu'il y avait besoin d'elle, effectivement, l'innocent. Oh non, ça craint. Ils sont résistants les mecs quand même hein. Avec tous les bastos que je leur mets. Voilà. Bon alors. Putain non il est pas là hein. T'es où, bonhomme ? Par ici ! À l'aide ! Au secours ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai besoin d'aide ! Hey ! Par ici ! À l'aide ! Au secours ! Ah, il est là. J'ai besoin d'aide ! Bah, je crois. T'es là, mon gars ? Ah oui, je crois, ouais. Non, pitié, ne me faites pas de mal, pas de je suis innocent. Ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont attaché. Je vais pas mourir. Ok. On va essayer de sauver ce... ce jeune homme. Générateur est là. Attendez, partez pas. Vous partez, je vais mourir. Quelle surprise. Des ninjas. Bon, ah oui, elles sont tatillons, on va dire. Ta mort ne me réjouit pas, mais c'est la seule solution. Ok, elle, c'est un peu du genre Ra's al Ghul. Le contre de l'âme, bah oui, oui, ce serait chouette, mais bon. Et tout ça par ta faute. Là.
Ah, quand vous êtes à l'unité, hein, vous êtes moins forte là. Bande de saloperies. Alors. Ah, je peux plus passer là. Ah non. Je suis prisonnier. C'est quoi ce bordel? Et comment je fais pour ressortir? Ils sont mignons, hein, mais... Là-haut. Oui, non, il y a l'autre bout ici. Je disais, attendez, là, je comprends plus, là. Sauvez-moi. Oui, deux minutes. Voilà, à mon avis, ça va être le même merdier. Oh, genre. Non mais oh. Ouais, ils m'ont coupé mon truc. Ok. Et du coup la piscine là. Voilà. Je peux pas couper. Alors mon gars, reste pas dans l'eau, moi à ta place, je partirai. Pitié! Me faites pas de mal! Qui vous a fait ça? Ils étaient tous déguisés en ninja! Shiva. Qui? Où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien! Mon collègue en a flingué un avant de disparaître. Ils m'ont attaché et ils sont partis à ses trousses. Appelez vos collègues, qu'ils vous envoient une voiture. Et allez attendre à l'abri. D'accord. Merci. Il doit bien y avoir une trace de sang. D'accord, ouais, donc j'en ai pas fini ici. Ah. Quoi c'est? Ça devrait me mener jusqu'à l'autre agent. Ah oui, d'accord. Allez, ben, on est parti. Je suis toujours dans la mission secondaire, du coup. Elles sont pas mal aussi, hein, les missions secondaires. Hein. Celui avec le chapelier fou, par exemple, était plutôt pas mal aussi. Hein. Allez, je te suis, trace de sang. Ok, jusque là, tout baigne. Non, c'est bon, je vais pas affronter les gros là-bas. Ah, quoique.
Hein ? Ma gueule ou quoi ? Ok. Ça va loin. Ah, il y a un autre corps ici. C'est trop tard. Pourquoi tu l'as tué ? Tu ne l'aurais pas fait. Il était corrompu. C'était un tueur. Il n'y a pas de justice là-dedans. Qu'est-ce que tu connais à la justice ? Derrière les barreaux ou devant, ces gens ne changent pas. Tant qu'ils vivront, Gotham sera corrompu. On peut faire autrement. Et moi qui croyais que tu comprendrais. Mais le test doit continuer. Retrouve-moi à Sheldon Park. J'ai plusieurs appels disponibles. Je les envoie par ordre de priorité. Niveau sup. Allez, on va finir certainement ça. Voilà. Ça, j'ai déjà. Contre de bouclier. Très bien, ça. Ah, ouais, non, j'inspecte pas en fait. Du coup. Non. Bon. Ok, on va faire un détour ici, et ça c'est quoi ça? Enquêter sur le combat de gang. On va d'abord faire la planque de drogue. Ouais, ce sera un épisode de petite mission. Avec leur couteau. Dégage-toi. Hop. Voilà. Non. Hop. Crime en cours terminé. D'accord, je voulais le faire après, mais... Why not? Je dois arrêter ce combat et sécuriser les produits chimiques. Il y a eu un vieux bug. Hein ? Ah bon, j'ai eu peur. Voilà. Bon, ici, c'est tout bon.
mais on est encore à... Je crois qu'il y avait... J'avais fait moi ça. On se sauve là. C'est pas toi qui me fais peur. Il n'arrête pas d'attaquer. Oh, c'est un méchant. Pour elle rêver. Il y en a plein d'autres. Où se trouvent les autres? Pas question que je le dise. Frère, on est sur le port. Mais le Dwayne des Cobblepot nous a envoyé cet homme. Il faut que tu viennes. J'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Donc là, ça revient sur du... des magouilles du pingouin, ça. Ok, donc ici, mis à part l'homme mystère, on a tout. On va pouvoir aller là aussi, parce que cette tour, j'en ai assez de la voir. Quitte à faire des missions secondaires, hein, autant qu'on se déconcentre à côté. Comme ça, une fois que j'ai débloqué ça, je vais pouvoir prendre la Batwing et me téléporter pour aller un peu plus vite. Hop. Diamond District. On y est presque. Je vois la tour. J'ai bien compris. Tout ce qu'on croyait que Sionis avait fait ce soir, en fait, c'est le Joker qui l'a fait. Ouais, les assassins, l'attaque de Blackgate, le bordel à la banque d'affaires de Guetta. Merde. Putain. Hein, je peux lui déjà abandonner. Il est fou lui. Ah. Oh putain. D'accord, ouais. Bon. Du coup, c'est l'homme mystère que l'on va voir. Oh, la fin était déjà finie, mais je ne faisais que m'échauffer. Black Mask, ok. Il m'arrange pas les snipers là. Pas du tout même. Hein. Donc il va falloir changer ça. On est à 40 minutes presque. Attendez, je suis où là? Ah oui, je suis à la bonne place. Il y en a un qui fait chier là-haut. Allez, viens là, mon gars. Tous ces snipers tout pourris là. Je pensais pas que ce serait si facile. Très bien, intéressant.
Eh ouais, mais bon. Comment on veut que je fasse s'il voit tout? En plus, il y en a au moins 3 ou 4 des snipers, hein, d'après ce que j'ai vu. Parce que l'autre là il venait dangereusement. Toi tu vas venir me voir maintenant. Ça semble logique. Je comprends pas assez pourquoi il est obsédé à ce point par Batman. 50 millions là. Et tous ces assassins, c'est un putain de plan. Il a fallu du temps pour le mettre au point. T'as déjà vu ce mec? Il est givré. Il a Qu'est-ce pas besoin qu'il nous de reste motif. Attendez, il y en a un ailleurs aussi. Hein. Donc ouais, il y a lui, ok. C'est tout? J'ai l'impression qu'il reste que ces deux-là. Ah, peut-être pas. À toutes les unités, on signale des tombées. Attendez la position. Ah, il y en a encore, hein. Ah oui, il reste les deux, d'accord. Mais emmerdez avec vos snipers ou là. Non mais oh. Incroyable ça quand même. Bon alors. Il est où ce tour là? On va en être bien loin. Eh bien, quel retournement de situation. Oh, Batman abandonne. Hop. Avec toutes les mandales que je vous mets, encore vous êtes pas mort. Oh. Très bien, je crois que c'est la toute dernière fois qu'on se parle. Et ça, ça me ravit. Je croyais que t'avais une ville à sauver. Alors pourquoi tu perds ton temps avec moi? Non.
Quel abruti, mais c'est pas vrai. Oh là là. Par terre. Pourtant je pourrais le choper là hein. Bon mais comment je fais pour le casser ce machin? Y'a pas un truc de Deathstroke par-ci par-là là? Parce que là ça m'arrange pas des masses. Incroyable. Ah bah quand même. Donc. Ouais donc. J'ai brouillé un truc, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça? Ah bah oui, mais c'était là en fait. Pas du tout. Qui est assez malin pour me surpasser? Personne ne m'aide, Enigma. Tu as déjà songé que tu n'étais pas aussi futé que tu le crois. C'est un homme qui confond Noël avec Halloween. Qui ose me dire ça? Au cas où t'aurais pas vu, j'ai mis la ville tout entière sous surveillance et elle me révèle tous ses sombres petits secrets. Et j'ai réussi à mettre ça sous ton nez, ô grand gardien de Gotham. Alors, qu'est-ce que t'as? Je vais désactiver tout ton réseau. On dirait un homme de Néandertal. Bien, on peut toujours essayer. Hop. Ça c'est fait. Bon. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai dans le coin ? Bird, là j'ai pas enquêté au final, j'aurais peut-être dû. Allez, on va continuer notre ascension. J'ai encore un petit peu de temps, surtout des petites missions, ça va, surtout celle de Black Mask hein, c'est vraiment pas très compliqué. Est-ce que vous le connaissiez vous, Black Mask? J'aimerais bien savoir si vous suiviez les comics ou ce genre de choses. Parce que c'est quand même assez intéressant. Hop. Hein? Évidemment, il y a un... Évidemment, il y a un pirata... Il y a un brouilleur. Oui, on sait.
il est juste là. Voilà. C'est bon? Non, toujours pas. Oh. Faut que j'attende que le troisième il soit bousillé aussi. Ça, c'est nul ça. Allez mon gars. Putain, sérieux, qui c'est qui est... C'est hallucinant ça, d'attendre que le brouilleur il se remette bien. Ça c'est nul. Hein. Je suis sûr que si je me barre ailleurs, les deux autres brouilleurs ils seront redevenus à la normale. Sinon c'est pas drôle. Masque. Je suis trop loin. Toujours pas. Oh. Et si je me mets là? Trop loin. Allez le brouilleur là, putain, bouge-toi. Je suis beaucoup trop loin. C'est chiant, putain, il y a pas beaucoup de portée en fait, ce machin. Je peux dégommer personne en plus d'ici. Ouais, alors moi du coup, ben, je vais parler un petit peu le temps que ça se débrouille. Moi je suis en train de me remater la série animée de Batman des années 90. Et franchement, putain, qu'est-ce que c'était bon. Là, ils avaient fait quelque chose de bien. Hein. C'était sorti en 1992, je crois. Et ça envoyait déjà le pâté. Hein. Rien que sur le background des méchants, notamment Double Face, que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment excellent. Moi, franchement, je vous le conseille. Si vous avez jamais vu de Batman en série animée, regardez celle des années 90. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a, je crois, 130 épisodes, un truc comme ça. Et ils sont tous de qualité. Bon. Voilà, allez, tout ça pour ça. Hop, voilà. C'est bon, on peut le faire maintenant. Voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'il y a comme signal brouillé en Gotham? Alors, Black Mask, tu es où? Black Mask. C'est bien ici, hein? Ah non, c'est encore un peu plus loin.
c'est au pont du milieu. Oui, effectivement, je peux pas aller la voir de là où j'étais tout à l'heure. Serait-ce ça? Non. Ce n'est pas ça. Ils sont juste en dessous de moi, je pense. Ouais, je les vois. Attaque tombée. Boom. Faites gaffe ou je vous fais tomber. Et la vierge toi. T'as du bol. Hop, un petit poison en moins. On est à combien? 57, hein, on va pas tarder. Ça c'est quoi ça? Parcours et rien, on s'en fout. Sheldon Park, donc là il y a un emplacement pour Black Mask. Je pense qu'on va finir avec ça parce que les épreuves de Sheva peuvent être un petit peu plus longues. Oui mais je veux sortir. Là, non, toujours pas. Putain. Comment je fais pour partir de là? C'est pas possible. Bon, il faut que je passe par là. Ça doit être ça, ouais. Voilà. Hop. Allez, ainsi va la vie. Nous traversons Gotham. Hop, bien au centre. Voilà. Zone industrielle. Pioneer's Bridge. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille sur le pont là-bas. Quand même. T'as entendu la dernière? Sionis est de retour. Je t'avais dit qu'il était vivant. Sans botter lui les fesses. Toi mon ami. Je vais t'apprendre. Hop. Ça. Gicle. Voilà. Ah, c'est pas pour ça que je venais de base. S'il y a, je prends bien sûr. De ce côté, c'est le poison. Hop. Voilà. Un petit niveau sup. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Il me reste les effets des agents sont amplifiés pour allonger le temps de récupération nécessaire à l'ennemi. Et allez, les spécial combos, comme ça c'est fait. Voilà. Est-ce que les planques de drogue sont encore loin ou pas? Donc Shiva, je passe. Par contre, oh, il me reste deux planques ici. Et il me reste encore un truc d'énigma encore.
On est déjà à une heure. À toutes les unités, si vous êtes en 10-10, merci de signaler pour une éventuelle mission. Les snipers, ici, on reste pas. Non mais là je tourne en rond en fait depuis tout à l'heure, ça sert à rien ce que je viens de faire. Allez allez allez, on traîne pas. Me battre contre vous, j'ai pas le temps. En tout cas, ils ont le point facile, hein, ils ont la bagarre facile même. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en dessous, j'imagine. Coucou. Allez, il m'en reste une. On traîne pas. Elle est tout là-haut. Oui, il me reste même deux antennes de d'Enigma. Je pensais pas qu'il m'en restait autant. Hein. Fait chier lui. Hein. Ça c'est quoi ça? La source du signal de détresse. Et là, c'est le mouchard placé sur Bane. Ah, il y a encore un autre truc ici. Je ne me rappelais plus. Descendez ce malade ! On dégage, on dégage. On n'a pas ça à faire. Oh, fais-moi la paix. Mais putain ! Ça m'énerve. Mais putain, mais il y en a pas un seul qui est mort. C'est incroyable. Putain, les mecs, je leur fous
des mandales électriques et ils ont rien, quoi. C'est incroyable. J'espérais que tu vivrais assez longtemps pour voir ce que j'ai pu. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Oh, je voulais faire ça en dernier, là. Comme ça, je suis débarrassé de, justement, de des trucs de Black Mask, là. Comme ça, on est débarrassé. Allez. Heureusement que les chargements sont pas très longs. C'est où? C'est juste de derrière. Déjà j'en ai un au moins. Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Ah oui, faut lui... Je dois détruire ce que je trouve. Ok. Mais moi, je suis peut-être pas venu ici pour ça de base. Je suis venu pour ça. La société, elle a que des problèmes. Mais non, si tu veux ici, ça va la casser quand même. Mais non. Voilà, c'est quand même mieux ici. On a une parfait. Bon, et ben voilà, on va se finir là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Donc il nous reste deux tours d'Enigma. Il nous reste bon bah la mission principale. Ah mais j'en ai encore un. J'en ai encore un. Bon, on va pas faire ça maintenant, mais il me reste encore pas mal de choses. J'ai encore la mission de Sheva. J'ai ça. Point d'intérêt pour la source du signal de détresse. Donc j'ai pas mal de trucs encore. Je parle pas de des relais réseau parce que ça ne m'intéresse pas forcément pour vous le montrer. Mais voilà. Voilà, il reste quand même pas mal de choses. Bon, j'espère que cet épisode un peu plus long, d'habitude, j'en suis désolé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Batman Arkham Origins. Salut à tous !